Dimanche 25 février, Sylvie Vartan était l'invitée de Michel Drucker dans l'émission « Vivement dimanche » sur France 3. La célèbre chanteuse a partagé des moments tendres en évoquant sa famille, notamment sa petite-fille Emma Smet, qui commence à faire ses preuves sur les planches de théâtre, une source de grande fierté pour sa grand-mère. Le clan de Sylvie Vartan ne cesse de s'agrandir au fil des ans, apportant à la chanteuse une joie immense. Déjà grand-mère à trois reprises, elle a récemment franchi une nouvelle étape en devenant arrière-grand-mère pour la première fois en juillet 2022, lorsque sa petite-fille Ilona Smet a donné naissance à un petit Harrison. Ce nouveau venu dans la famille a comblé de bonheur Sylvie Vartan, qui s'est rendue jusqu'à lui pour partager ce moment unique. Elle a exprimé sa joie en déclarant « C'est un vrai bonheur d'avoir un beau petit enfant. C'est magnifique, très touchant de voir ma petite-fille tellement heureuse. » Pourtant, Sylvie Vartan n'oublie pas pour autant sa petite-fille Emma Smet, dont la carrière décolle progressivement. À 26 ans, Emma a choisi de suivre les traces de sa mère en devenant comédienne, avec des débuts remarqués au cinéma et sur les planches de théâtre. Sa récente performance dans la pièce « Le jeu de la vérité » a été saluée, suscitant la fierté de sa grand-mère, comme elle l'a exprimé lors de son passage dans « Vivement dimanche ». Sylvie Vartan a également évoqué avec tendresse son petit-fils Harrison, soulignant qu'il était le centre de toutes les attentions dans la famille. Ces moments de bonheur familial semblent compenser la fin annoncée de sa carrière musicale, offrant à la chanteuse une nouvelle perspective de bonheur et de fierté à partager avec ses proches.